Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, prions, ça va aller. On est déjà né, on va faire comment? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans ma vie. My busy life. Like entrepreneurship is a busy life. So, donc aujourd'hui, j'ai un programme super, super, super chargé. Une journée productive quand même. Parce que j'ai 4 événements. 4 événements, 2 le matin, 1 événement l'après-midi et 1 autre le soir. Mais comme les 2 du matin, je ne peux pas me multiplier, j'ai parlé à ma responsable qui va aller passer. C'est juste faire acte de présence pour le lancement d'un grand événement, le Sahara. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un salon de l'agriculture. Après toute cette période de Covid, ils vont enfin le lancer. Donc, c'est histoire de faire acte de présence pour montrer qu'on sera là et tout avec l'administration, les ministères et tout ça. Donc, le deuxième événement, ce sont des partenaires américains qui sont arrivés et qui veulent faire un meet-up. Donc, ça, je ne peux pas du tout rater. On ne sait pas qui on peut rencontrer là-bas. You know? C'est la période de notre campagne, en fait. Donc, là, on a besoin de partenaires, on a besoin de soutien et tout. Et après ça, en fait, j'ai postulé pour un concours depuis novembre, décembre, là, et j'ai plus eu de nouvelles. Et c'est il y a 2 jours de cela qu'on m'annonce que je suis parmi ceux qui doivent pitcher devant un jury pour. Je ne sais même plus c'était quel concours, c'était pour gagner quoi, c'était quoi le prix, je ne sais plus. En tout cas, je ne sais plus. Mais je sais qu'ils m'ont appelé pour me dire que je passe ce même jeudi où j'ai des millions d'événements. C'est ce même jeudi que je passe. Donc, j'ai essayé de manager pour dire est-ce que je peux passer l'après-midi. Parce que le meet-up avec les partenaires, c'est de 8h à 13h. Donc, est-ce que je peux passer aux environs de 14h, 15h par là? Elle m'a dit qu'elle me revenait. Bon, je ne sais pas si elle va me revenir ou pas. Dans le cas contraire, si je dois passer le matin que je ne suis pas là, bon, j'aurais raté. Si je passe l'après-midi, Dieu l'aura voulu. C'est aussi, il faut toujours tout confier à Dieu. Ça, c'est la vie d'entrepreneuriat. Et le soir, il y a le dernier meet-up avec nos partenaires américains avec qui on travaille déjà. On travaille déjà depuis leur position, mais ils ont décidé cette année de venir croiser leurs clients face-to-face, avoir les feedbacks, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et bon, c'est juste un partage d'expérience, se voir en réalité. D'habitude, c'est sur le Zoom qu'on se voit seulement. Donc voilà, ce sont ces 4 événements-là. Je me suis levée à 5h45, je suis prête, il est 6h40. Donc là, je prends mon sac. On verra bien ce que ça va donner. Donc, on se suit. Guys, on est arrivés. Qui me fait mal, c'est que mes partenaires sont venus faire des photos avec moi. Et j'étais en tapette. Parce que je ne peux pas porter des talons pour soulever les bagages, en fait. J'étais en chausse. Attendez, je vous montre. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc j'étais obligée de dire non, attendez, je vais aux toilettes rapidement. Elle m'a dit non, on va prendre la photo rapidement, tu pourras aller aux toilettes. Alors qu'on pouvait aller aux toilettes, c'était pour me porter mes talons et me pomponner un peu, lâcher mes cheveux. Non. Je vais aller négocier encore des photos. Je dis ah, est-ce qu'on peut prendre encore des photos et tout? C'est toi la pause. Avec mes talons, je pourrais reprendre parce que franchement, ce que j'ai là. Et regardez la photo, on va commencer à prendre un peu les photos dans son téléphone. C'est pas cette image là, les moi que je veux sur les réseaux, sur les plateformes en fait. Non. Elle est beaucoup équipée par rapport à la porte de service. So tell me, going back to your first question. Are we getting sure from an African perspective and understanding African culture, needs, desires, as well as the products and services? What we belong to a strong network. That network can begin to engage anyone. Commercial de la gloire. Yeah, c'est la maîtrise. Je suis ton modèle, moi-même, je sais. On a fini, on rentre. Les chics commerciaux sont là. Et puis la patronne chic aussi.
incomparable, mais sans talent, merci. Bon, les gars, non, ça va se reposer un peu chez l'an, parce que la reposée des pins revient à 18h à Novotel cette fois-ci. Pour le dernier événement, enfin, je ne vous ai pas dit, j'ai fait le pitch, mais je l'ai fait en ligne. Donc, bon, je suis au 7e étage. On est venu se reposer chez mon oncle avant de reprendre le chemin à 18h. Voilà, bon, je suis débraillée. Hein. C'est mieux, vous allez regarder le paysage. Sinon. Ah, cocody. Hello guys, je suis arrivée. Je suis requinquée, comme vous pouvez voir. Super fatiguée. Je suis dans les toilettes. En fait, j'aurais dû envoyer la vidéo de rechange. J'allais me changer ici. Mais c'est pas grave. Donc, on va pour le deuxième événement. Nous disons bonne arrivée au tour après 22 CFS. C'est compliqué de travailler après le premier accueil. Et là, c'est une bonne possibilité de siège. Alors bonsoir tout le monde, je suis la directrice commerciale de la Coop Servo Posidon et aujourd'hui.